Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse. On va pas parler d'une œuvre en particulier ou d'œuvre dans un film, une série ou je ne sais quoi, puisque aujourd'hui je vais te parler d'un artiste en particulier et ça me permettra de faire un cycle de vidéos avec lui où plus tard je te présenterai plus sa production artistique et je me concentrerai vraiment sur certains points et sur certaines œuvres. Mais là, comme un artiste vraiment pas connu et qui a totalement été oublié, vaut mieux que je te fasse une première vidéo biographie pour que tu le replaces vraiment dans son contexte, dans son époque, que tu vois c'est quoi son éducation artistique, comment il est arrivé, où il est arrivé, etc. Évidemment, avec le titre de la vidéo, tu sais déjà de qui on va parler. Si tu es nouveau sur la chaîne, il faut savoir que ça fait peut-être depuis plus d'un an que j'en parle sur cette chaîne-là à travers des master vlogs parce qu'il a été le sujet de mon tout premier mois de master en histoire de l'art et qu'évidemment ça me tenait à cœur d'enfin en parler sur la chaîne alors que ça fait plus d'un an que je travaille dessus et que je travaille encore cette année un petit peu dessus. Pour l'instant sur la chaîne, il n'y a vraiment que une petite vidéo qui a été consacrée à sa figure pour le calendrier de l'Avent que j'avais fait l'année dernière et depuis les choses ont pas mal avancé parce que mes recherches ont avancé. Juste avant de commencer cette vidéo, il faut savoir que du coup tout ce que je vais te dire ça a été le travail de mes recherches et que ça peut continuer à évoluer dans les prochaines années. Peut-être qu'on va découvrir de nouvelles personnes dans son entourage, peut-être qu'on va enfin retrouver ses peintures, ce genre de choses. Donc cette vidéo c'est l'état de la recherche à cet instant T, mais les choses peuvent évoluer et si elles évoluent, normalement je fais toujours des commentaires épinglés pour corriger ce que j'ai dit. Maintenant que cette intro a permis de tout clarifier et de tout poser, on va pouvoir commencer. Henri Caruchet, c'est lui, et il va naître le 5 décembre 1873 à Bar-sur-Seine parce que ses grands-parents du côté de sa mère habitent dans cette ville et sa mère, très sûrement pendant un voyage pour rendre visite à sa famille, a donné naissance à Caruchet là-bas, mais il ne va pas vivre là-bas et il ne va absolument pas grandir dans cette ville, mais il va grandir à Paris et il va quasiment passer toute sa vie là-bas. Sa mère, du coup, elle vient de l'Aube et elle fait partie d'une famille de et c'est très possible qu'elle soit montée à Paris en suivant son frère qui est parti exercer du coup son métier de cordonnier à Paris où évidemment il y a plus de clientèle, il y avait plus de possibilités aussi pour lui de trouver un travail en tant que cordonnier. Et du côté du père de Caruchet, on a très peu d'infos. Pourquoi ça? Parce que comme il est né à Paris et que tous ses documents administratifs se trouvent à Paris, il y a eu un moment ce qu'on appelle la commune de Paris et le gros problème c'est qu'il y a certains bâtiments, administratifs notamment, qui ont pris feu et donc les archives de ces différents bâtiments n'existent plus. Voilà, donc aujourd'hui il y a un gros travail de recherche qui est fait sur ces archives disparues, mais c'est vrai que du coup pour ce qui va être du père de Caruchet on n'a pas beaucoup d'infos. Mais ce qu'on sait c'est que son père est peintre, ce qui est quand même hyper important quand on sait que plus tard Caruchet va lui-même être artiste. Donc finalement Caruchet fait partie plutôt d'une famille modeste. Sa mère, comme beaucoup de femmes à l'époque, est mère au foyer et donc son père est peintre, mais il a quelques difficultés dans sa carrière parce que c'est aussi très dur de se faire reconnaître en tant que peintre et il va se reconvertir dans la peinture sur émail parce que sa pratique de la peinture lui coûtait trop cher. Donc on est quand même sur une famille modeste qui a pas nécessairement beaucoup d'argent, donc il va principalement grandir dans le quartier Bonne Nouvelle qui est un quartier où la population est plutôt modeste. Il fait pas partie de la petite bourgeoisie de l'époque ni de la grande bourgeoisie et en plus de ça il a deux grands frères, donc tu vas voir, Gabriel et Marcel. L'un va devenir représentant de commerce et l'autre va devenir un instituteur. Donc ça, c'est pour la famille Caruchet. Ensuite, Caruchet, il va commencer son éducation artistique assez jeune. Il est né en 73 et il va commencer son éducation à l'école des arts décoratifs pendant 4 ans. Oui, mais le problème, c'est que il a été impossible de le retrouver dans les archives des dossiers étudiants de cette école et donc on ne sait pas trop dans quelle section il se trouvait puisque dans cette école, il y a plusieurs sections, mais c'est totalement possible qu'il ait été dans la section dessin de cette école. Déjà, première case, il a fait l'école des arts décoratifs. Ensuite, pendant sa formation à l'école, ou peut-être un peu après, il a eu un maître de peinture qui s'appelle Ernest Ange Duez, qui fait ce genre de toile, donc plutôt du paysage, et Caruchet va lui demander s'il
il peut intégrer l'atelier d'un grand maître à l'époque à l'école des Beaux-Arts. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour entrer à l'école des Beaux-Arts, ça se fait pas comme ça. Il faut rentrer sur concours et c'est payant. Mais il y a quand même des laissés-passer où certains étudiants peuvent rentrer dans des ateliers sur recommandation sans avoir à payer. Duez connaît Moreau et il va faire une petite lettre pour dire que il a un petit élève à lui qui aimerait beaucoup intégrer son atelier. Moreau va accepter et c'est là que Caruchet va pouvoir accéder à l'école des Beaux-Arts. L'école des Beaux-Arts à l'époque, c'est hyper important quand tu veux être artiste parce que déjà ça lui permet d'être dans un atelier d'un artiste qui est reconnu de son temps, qui est déjà très connu et très populaire, donc d'avoir cette éducation là. Et c'est une école qui permet à ces jeunes artistes d'essayer d'atteindre une certaine reconnaissance artistique. Donc pour résumer, déjà Caruchet il a fait l'école des arts décoratifs, il a un maître de peinture Ernest Ange Duez qui lui permet d'intégrer l'école des Beaux-Arts dans l'atelier de Gustave Moreau. L'école des Beaux-Arts a différents ateliers qui sont dirigés par différents artistes et tu intègres un de ces ateliers. Je suppose que Caruchet a voulu intégrer l'atelier de Moreau parce qu'à l'époque il était perçu comme un pédagogue qui avait pas les mêmes méthodes que ses collègues, ou du moins de ce qui se faisait à l'époque aux Beaux-Arts, et puis très sûrement il devait aussi apprécier les œuvres de ce maître. Mais malheureusement pour Caruchet, son entrée à l'école des Beaux-Arts, ça va vraiment marquer un gros tournant dans sa vie et ça va créer un gros scandale à l'époque. Alors là tu dois te demander qu'est-ce qui s'est passé, parce que quand même juste rentrer à l'école ça n'a rien d'extraordinaire. Ça va être l'heure pour moi de te raconter la story time de Caruchet qui rentre à l'école des Beaux-Arts. À cette époque, il y a une très grosse tradition dans cette école, c'est le bizutage des nouveaux arrivants. Le bizutage à l'époque, ça consistait en diverses épreuves à passer, notamment beaucoup de ridiculisation devant ses camarades, mais aussi devant le tout Paris. C'est-à-dire, pour te faire un petit listing, le bleu de Prusse, c'est-à-dire qu'on te met à nu et on te teint entièrement en bleu, et souvent tu dois faire une petite bataille d'épée avec un autre camarade mis à nu et teint en bleu. L'année précédente, tu as un élève qui a été mis à nu et modelé dans de la terre glaise et il en est mort. Évidemment, il n'y a pas que du bizutage au sein de ton atelier, puisque le premier jour, tu dois aller faire quelques courses pour tes camarades. Et à la fin de la journée, tout le monde va bien évidemment boire un verre dans le bar d'à côté et tu vas payer les tournées d'absinthe de tout le monde et peut-être même que tu vas devoir te mettre à nu et danser sur un banc à la vue de tout Paris. Voilà le genre de choses qui se passaient à cette époque. Et Caruchet, quand on va lui demander de faire ça, de se mettre à nu, etc., bah, il va dire non, parce que c'est pas trop son délire, hein, et il va pas se laisser faire par ses camarades. Et donc, en fait, quand il arrive dans son atelier, on le chahute, on essaye de le bizuter, etc. Lui, tout ce qu'il veut, c'est dessiner et faire son travail. À ce moment-là, Gustave Moreau ne l'a pas encore vu en tant qu'élève, et c'est vraiment un détail important de l'histoire. Gustave Moreau ne l'a pas encore vu parce qu'il n'est pas tout le temps dans son atelier, et il y a un certain jour de la semaine où il va passer voir ce qu'ont fait les étudiants pendant ces jours-ci, et les conseiller sur leurs dessins, leurs peintures, etc. À ce moment-là, Moreau n'a pas encore vu Caruchet. Caruchet va être tellement en colère de cette fée persécutée par ses camarades qu'il va écrire une lettre au directeur de l'école pour lui expliquer qu'il veut se retirer de l'atelier, que c'est inadmissible ce qu'on a fait, ce qu'on lui a fait, et qu'il est juste pas d'accord avec ce traitement. Cette affaire, elle va prendre une ampleur assez importante dans les journaux parce que ça marque aussi un ras-le-bol de ces événements. Si tu veux, avant Caruchet, chaque année quasiment, il y a toujours une rubrique dans les journaux où il y a marqué l'incident des Beaux-Arts, le bizutage aux Beaux-Arts, gna 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 Beaux-Arts. Il y a toujours chaque année un événement qui se passe, et l'année passée, il y a quand même, et l'année précédente, il y a quand même un élève qui en est mort. Donc ça va marquer un ras-le-bol et va avoir un peu de position dans les journaux. Il y en a qui vont voir Caruchet comme un martyr, que c'est des pratiques vraiment moyenâgeuses et qu'il faudrait peut-être évoluer, et t'en as d'autres qui voient ça comme oh là là, mais Caruchet c'est juste un fragile, franchement c'est rien, c'est une tradition, c'est un rite de passage, etc. Donc dans les journaux t'as vraiment ces deux positions là, et il y a vraiment beaucoup de journaux qui vont parler de ce sujet. Du coup il y a une enquête qui va être ouverte. L'atelier de Moreau est fermé pendant quelques jours et une enquête
va se faire pour voir qui dit la vérité, si Karrueche a vraiment été persécuté ou s'il a exagéré les faits, ou si les fameux étudiants de l'atelier l'ont bien persécuté ou s'ils ont été accusés à tort. Pendant cette enquête, Moreau, il va être plutôt du côté de « c'est rien, c'est juste du bizutage » et puis de toute façon, Karrueche dit qu'on lui a déchiré ses esquisses, mais quelles esquisses, j'en ai jamais vu, etc. Ce qui est assez normal vu qu'il n'est toujours pas passé à l'atelier depuis l'arrivée de Karrueche, mais c'est un autre sujet. Et tu vas avoir son ancien maître, Duès, qui va dire que non, Karrueche c'est un élève très sérieux, que c'est vraiment une bonne personne, c'est un bon petit gars, et qu'il ne mentirait pas sur ce genre de sujet. Donc, petit problème déjà pendant l'enquête, on sait pas trop quoi penser, et puis finalement ça va rien donner. Et du coup Karrueche va décider de quitter cet atelier. Mais pour autant, ça ne l'empêche pas de continuer à suivre des cours aux Beaux-Arts parce qu'il y a des cours libres et ouverts à tous que tu peux suivre. Et il suit notamment des cours d'anatomie de Mathias Duval, ce qui lui permet voilà, d'apprendre les proportions du corps, ce genre de choses. Et donc, il est peut-être parti de l'atelier, mais il se démonte pas et il continue à aller aux cours de Mathias Duval. Il n'y a pas ses camarades d'atelier qui suivent ses cours. Sauf que ses camarades d'atelier ont pas trop fini avec cette affaire et puis ils l'ont un peu mauvaise, que l'atelier ait été fermé pendant quelques temps, que ça a fait quand même pas mal de bruit dans les journaux, etc. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que la story time n'est bien entendu pas finie. Ils vont l'attendre à la sortie des cours pour le persécuter depuis l'école jusqu'à chez lui, rue Française. Donc pendant tout son trajet, t'as à peu près 200 étudiants, mais c'est possible que les journaux exagèrent le nombre, qui lui crient dessus, des insultes, qui le menacent, qui le bousculent, etc. Les journaux ils vont dire que Karrueche il est resté extrêmement calme pendant toute la situation et qu'il est rentré jusqu'à chez lui en un seul morceau et qu'il a réussi à résister à ses harceleurs. Et encore une fois, ça va encore faire beaucoup parler dans les journaux et ils vont même donner un titre à cet événement qui s'appelle l'incident Karrueche. Et beaucoup vont en parler parce que en fait, pendant ce trajet, tous les Parisiens voient ce qui est en train de se passer. Et il y en a même qui ont essayé d'intervenir, que ce soit des policiers, des hommes décorés, comme ils l'ont dit, donc sûrement un militaire. Ce genre de choses ont essayé d'aider Karrueche, mais comme il y avait beaucoup trop de monde, ça n'a pas trop servi à grand chose. Mais Paris a pu témoigner sur ce court trajet de cet événement. Et du coup, les journaux vont énormément en parler encore une fois. Et là, on va avoir un journaliste qui va même aller chez les Karrueche pour aller interroger Henri et aussi son père Eugène. Son père, comment te dire que dans l'interview, il est pas très très content et qu'il explique clairement qu'il a pas les moyens d'envoyer son fils dans une autre école, qu'il a pas les moyens de le faire partir de Paris pour aller je ne sais où pour faire une formation et que clairement cet événement ça menace la carrière de son fils, ce qui n'est pas faux puisque les Beaux-Arts c'est quand même une institution qui te permet vraiment un accès au monde de l'art et là c'est un petit peu compromis par le bizutage de ses camarades et par cet événement qui a encore empiré les choses puisque Karrueche à partir de là il n'ira plus aux Beaux-Arts, il ne posera plus un pied là-bas, du moins pour sa formation artistique, dans son début de vie et son début de carrière. J'ai oublié de te parler d'un petit point, c'est qu'au départ, Karrueche, s'il va aux Beaux-Arts, c'est pour devenir peintre. Mais si tu as suivi mes aventures pour le mémoire, tu sais qu'il n'est pas devenu peintre et que j'ai étudié des illustrations. Donc je pense que à cause de cet événement, il a dû revoir un petit peu ses plans de carrière parce que du coup, les Beaux-Arts, ça te permet une reconnaissance notamment dans le monde de la peinture. Sauf que c'est plus trop possible et il va avoir, à partir de 1873, peut-être au dernier moment où on parle de lui dans les journaux pour cet événement, il va avoir un trou dans ses archives, dans sa vie, dans tous les documents que j'ai pu trouver. Et on sait pas ce qu'il a fait à ce moment-là. Et c'est possible que ça soit ici qu'il ait rencontré certaines personnes, qu'il ait rencontré certaines personnes qui lui ont permis de rentrer dans le monde de l'édition. Pourquoi avoir fait le choix de l'illustration? Tout simplement, à l'époque, en fait, même si c'est perçu comme une activité annexe quand tu es peintre, quand tu es artiste, parce que ça n'a pas encore de statut, on ne parle pas d'illustrateur, ça n'existe vraiment pas encore à cette époque, c'est vraiment qu'une activité annexe à une première activité artistique. Et tout simplement, ça te permet quand même un revenu un peu plus conséquent que quand tu veux devenir peintre, où la reconnaissance va se faire quand même sur du long terme, et que tu es même pas sûr de pouvoir être reconnu.
Enfin, t'as pas besoin non plus d'être une star mondiale, mais ça rapporte pas beaucoup la peinture. Alors que l'illustration, si tu illustres dans les journaux, bah forcément tu vas avoir un peu d'argent de là. Si tu illustres pour les bibliophiles, les amateurs du livre qui sont à la recherche des livres très précieux, etc., forcément ça fait un peu de sous, etc. Donc c'est quand même un métier qui permet un meilleur revenu que si tu es peint. Donc ça paraît déjà être un bon compromis pour Karuchet qui ne peut plus accéder aux beaux-arts. Après, même si il va se diriger plutôt vers l'illustration et qu'il va être surtout connu à son époque pour ses illustrations, ça l'empêche absolument pas de continuer sa pratique de la peinture. Et d'ailleurs, dans tous ses documents administratifs, il se décrit comme peintre, donc ça peut être soit parce qu'il veut être reconnu en tant que peintre et pas en tant qu'illustrateur, soit parce que aussi, comme je te l'ai dit, l'illustrateur ça n'existe pas et c'est souvent considéré comme une activité annexe. Mais Karuchet, sa carrière, c'est pas si simple parce que, je te le rappelle, il a fait des études à l'école des arts décoratifs, ce qui implique qu'il a aussi fait des projets pour des arts décoratifs. Donc en plus d'être peint, d'être illustrateur, il fait aussi des dessins d'arts décoratifs. Tu vas retrouver par exemple des éventails, des vases. Dans certains catalogues, il est mentionné qu'il a fait des paravents, ce genre de choses. Mais c'est pas fini parce que Karuchet est multitâche et il va aussi être journaliste et plutôt poète qu'écrivain. Je vais pas nécessairement te développer plus que ça sa casquette journaliste et poète, mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que au niveau des articles que j'ai trouvé, il n'y en a pas énormément, mais il faudrait dépouiller encore plein de journaux. Il va surtout écrire des critiques sur le salon du PTT, des postes, télégraphes et téléphones, qui est pas non plus un salon très connu en histoire de l'art. Et puis dans les journaux, ce qu'il va publier le plus, c'est vraiment des proses et des balades. Il va publier notamment toute une série de proses qui, à sa mort, vont être compilées par sa deuxième femme, Valentine Achard. On reviendra sur sa première femme juste après. Elle va décider voilà, de compiler toutes ses proses, d'en faire un recueil qui s'appelle « Les feuilles de l'allée ». Et Karuchet à l'origine avait comme projet de faire donc ce recueil, mais aussi de l'illustrer lui-même et de vraiment avoir dans un seul recueil sa casquette de poète et d'illustrateur. Ça sera pas possible parce qu'il va mourir avant. Et si ces poèmes t'intéressent, je te mets en barre d'infos un lien où tu peux retrouver quelques petits extraits. Donc si on retient bien, Karuchet il est peintre, illustrateur, décorateur, journaliste et poète. Ça fait quand même beaucoup de choses. Mais du coup, ça montre aussi qu'il a quand même une grande culture, du moins littéraire. Et cette culture littéraire et intellectuelle, ça va vachement se retrouver dans son entourage. Je te préviens tout de suite, son entourage, c'est encore un petit peu flou parce que j'ai pas pu trouver toutes les correspondances que j'aurais voulu trouver. Il y en a très sûrement aussi qui ont disparu depuis. Voilà, donc c'est encore un petit peu flou. Et puis en plus, dans son entourage, il y a aussi des écrivains qui sont totalement oubliés aujourd'hui. Mais je vais quand même te parler de personnalités assez importantes que tu pourras retrouver peut-être dans l'histoire du 19e, 20e siècle et des personnalités importantes dans sa vie. Je vais notamment te parler d'une des figures les plus importantes, je pense, dans la vie de Karuchet. C'est sa toute première femme qui est Jeanne Nouguès, qui pour le 19e siècle a une personnalité assez atypique. Jeanne Nouguès, elle vient d'une famille bourgeoise, elle a très peu connu sa mère parce qu'elle est morte quand elle était très jeune, et son père lui était journaliste, notamment pour le Figaro, et donc elle va évoluer quand même dans un milieu bourgeois, littéraire, journalistique, et donc c'est vraiment des sujets qu'elle connaît et elle baigne dedans depuis qu'elle est petite, ce qui fait qu'elle va devenir institutrice, mais elle va aussi écrire dans les journaux. On n'oublie pas cette époque, le statut de la femme, c'est pas le fun. Déjà, une femme qui travaille, notamment qui écrit des articles dans les journaux, c'est quand même atypique pour l'époque, même si évidemment il y en a certaines qui le font, mais il faut quand même avoir du caractère hein, à cette époque. Et ce qui est un petit peu plus intéressant, c'est qu'elle va notamment écrire dans le journal La Fronde, qui est un des premiers journaux féministes en France. Et elle va notamment prendre des positions là-dessus. C'est aussi une autrice, donc elle va écrire des romans, notamment L'Ensemencée, où dans ce roman, il y a une scène où une femme tente d'avorter. Donc c'est des sujets qui, déjà aujourd'hui, restent tabous. Donc tu t'imagines qu'au 19e siècle, c'est pas... Voilà, on n'en parle pas forcément en dîner de famille comme ça, quoi. Dans ses articles pour La Fronde, elle va aussi analyser les personnages féminins dans certains livres de ses contemporains, etc.
Et ses livres sont quand même salués par la critique, ils sont quand même appréciés. Et elle va aussi prendre des positions politiques, notamment avec Carochet. Par exemple, pendant l'affaire Dreyfus, que tu dois connaître, sinon je te fais un petit résumé ici, elle va signer une pétition pour libérer le général Picard, qui en fait a trouvé les preuves de l'innocence de Dreyfus. Donc Carochet et Nogues ont tous deux signé cette pétition, donc ils sont plutôt du côté Dreyfusard. Elle va aussi prendre position dans une affaire qui se passe en Angleterre où une institutrice franco-anglaise a quelques soucis avec la justice et elle va prendre position dans cette affaire. Voilà, donc c'est quand même une forte personnalité et elle mériterait d'ailleurs d'être un peu plus étudiée. Donc si tu fais des études en lettres, peut-être que tu peux t'intéresser à elle. J'essaye comme ça de placer une petite pub pour elle parce que c'est un personnage qui est vraiment très très intéressant et elle va mourir aussi assez jeune d'une maladie parce que très sûrement en fait dans sa famille il doit avoir une maladie génétique qui se transmet voilà de génération en génération et elle va mourir très jeune. Et Carochet, pendant la carrière de sa femme, il va pas hésiter à aller la recommander à des personnes qu'il connaît pour essayer de la placer dans des journaux etc. pour qu'elle puisse écrire des articles. Il va vraiment essayer de la soutenir donc et ça va leur arriver aussi de travailler ensemble où Jeanne va écrire une nouvelle ou va écrire une histoire et Carochet va en illustrer les pages. Voilà, donc c'est quand même un couple qui travaille ensemble et qui se soutiennent dans leur carrière. Et dans le fameux recueil de prose de Carochet, il y a vraiment des poèmes enflammés sur sa première femme, tellement que quand sa deuxième femme va publier ce recueil, elle va enlever certaines dédicaces, peut-être par jalousie, parce que effectivement il y avait certains poèmes qui étaient dédiés à sa première femme, et juste avant le poème il y avait marqué pour Jeanne, et peut-être que ça l'a un petit peu vexée et qu'elle a effacé quelques dédicaces. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand même, sa première femme, elle fait partie du milieu intellectuel, elle fait partie quand même du milieu de la presse et du milieu littéraire, elle fait partie de la première vague du féminisme, donc qui est un féminisme plutôt blanc et bourgeois, de femmes qui essayent d'avoir des droits en fait, et d'exister. Et du coup elle meurt en 1906 de sa maladie, et l'année suivante, Carochet va se marier à Valentine Achard, qui est une employée des postes, et qui n'a pas grand chose à voir avec le milieu littéraire et artistique de son temps. Ensuite, au niveau des personnalités de son temps que Carochet apprécie, il y en a quand même un certain nombre, et je vais t'en parler très très vite pour pas trop rentrer dans le détail, je vais juste te dire un peu qui sont ces personnes. Alors déjà, tu as Pierre Louys, qui est un auteur de l'époque, qui est très connu à l'époque, très reconnu, et très populaire. Je pense que peut-être leur rencontre a eu lieu en 1901 pour leur première collaboration sur Biblis. Et c'est possible dans la correspondance de voir un petit peu l'évolution de leur relation, même si on voit que Carochet a peut-être un peu plus d'admiration que Louys pour Carochet. Donc c'est assez intéressant à voir, mais c'est vrai que on sent que voilà, que Carochet aime beaucoup Louys, et il va même lui faire un almanach, donc un calendrier illustré pour lui. Ensuite tu vas avoir le comte Robert de Montesquiou, qui pareil est une personnalité assez connue à cette époque, et qui est plutôt un dandy. Et pareil, il va aussi collaborer avec lui, notamment pour une offrande à Edmond Goncourt qu'il va illustrer. Les Goncourt à cette époque, c'est vraiment des personnalités archi connues. Peut-être que tu connais le journal des Goncourt. Et c'est vraiment des personnalités hyper connues. Donc c'est assez prestigieux quand même d'avoir illustré cette offrande. Et d'ailleurs, Edmond Goncourt l'a mentionné dans son journal pour parler de cette fameuse soirée où cette offrande va être lue par Sarah Bernhardt, qui pareil est une méga star à l'époque. Et d'ailleurs, quand Jeanne Nogues va décéder, Carochet va écrire à Montesquiou, qui lui a perdu un de ses plus proches amis. Ils vont un petit peu s'entraider dans ses peines de la perte d'un proche. Ensuite tu vas avoir Gustave Geoffroy. Alors si tu es en histoire de l'art, tu sais qui c'est, parce que c'est un critique qu'on étudie notamment pour l'histoire du 19e siècle, et c'est possible qu'ils étaient très proches, puisque Carochet va
lui raconter un petit peu ses déboires, notamment avec le métier d'illustrateur, qui est pas un métier très facile, surtout à cette époque, étant donné qu'il est en grand manque de reconnaissance. Et voilà, il va lui parler de différents projets, puis Geoffroy va quand même lui proposer un poste en 1923 de professeur de dessin à la manufacture des Gobelins, qui à l'époque faisait de la tapisserie, donc c'est quand même une personnalité qui est proche de lui. Et puis après, tu vas avoir aussi des auteurs qui vont dédier certains de leurs textes à Caouché. Tu as par exemple Pierre Nesloff qui va dédier un de ses écrits à Caouché et qui va aussi dans une de ses histoires parler d'un tableau de Caouché. Et enfin, beaucoup moins connu, tu as Bienvenue Roux, qui était le sous-bibliothécaire du musée Calvet à Avignon, qui lui a totalement été oublié, et du coup c'est un petit peu compliqué de déterminer leur relation, mais en tout cas ils ont entretenu une correspondance. Un des écrits de Roux, c'est le livre de table de chevet de Caouché, donc voilà. Donc il est quand même entouré de personnalités influentes ou moins dans le monde littéraire, dans le monde de la culture parisienne à l'époque, essentiellement parisienne. Donc ce qu'il faut que tu retiennes de Caouché, c'est que c'est un artiste du 19e, 20e siècle qui va principalement s'inscrire dans le mouvement Art Nouveau, mais aussi toucher un petit peu au symbolisme. Et puis après, il fera d'autres productions. Il travaille à la fois pour illustrer des livres de bibliophiles, donc ça c'est des livres très très précieux, très rares, très coûteux aussi. Il va travailler aussi pour des livres qui sont destinés un peu plus au grand public, pour les journaux, que ça soit pour des illustrations ou pour publier des proses, ou diverses critiques. Il va aussi être peintre, même si malheureusement ses œuvres n'ont pas été retrouvées, mais j'ai des titres. Et c'est principalement de la peinture de paysage, ce qui, bon, à cette époque, c'est un peu passé de mode. Ensuite, il est aussi décorateur avec ses différents projets d'art décoratif. Et du coup, il est aussi écrivain et journaliste. Tant qu'à faire. J'espère déjà que cette longue biographie que j'ai essayé d'écourter au maximum a pu t'aider à clarifier un petit peu qui est Caouché et que ça pourra te permettre d'un peu mieux comprendre les prochaines vidéos que je vais faire sur ses productions artistiques. Et d'ailleurs, je pense que sur Instagram, je vais te demander quelles œuvres tu aimerais voir avant, histoire de savoir. Voilà, un petit peu ce que tu préférerais voir. Moi, tous les sujets sur Caouché me vont, donc autant que je te donne le choix si tu veux en savoir plus sur Caouché. Et voilà, je pense que ça a été une vidéo déjà suffisamment longue sur sa figure. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !